Bonjour et bienvenue à cette leçon de grammaire de l'unité 6, révision des adjectifs qualificatifs et de la comparaison, page 178, révision en général de l'unité 3 sur le thème l'environnement. Commençons par un rappel des adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Dans une phrase, pour trouver un adjectif qualificatif, on répond à la question comment. Par exemple, cette classe est propre. Cette classe est comment? Elle est propre. Donc, propre est un adjectif qualificatif. Un autre exemple, cet élève est brillant. Cet élève est comment? Il est brillant. Donc, brillant est un adjectif qualificatif. Un dernier exemple, j'ai passé de bonnes vacances. Les vacances sont comment? Elles sont bonnes. Donc, bonnes, c'est un adjectif qualificatif. Maintenant, remarquons bien ou essayons d'identifier le GNS, le groupe nominal sujet ou le sujet. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet, c'est cette classe ou la classe en général. La classe est le sujet. Cette classe, c'est le groupe nominal sujet. Comme vous pouvez le remarquer, l'adjectif qualificatif est placé après le groupe nominal sujet. Il vient après le GNS. Dans la deuxième phrase, le groupe nominal sujet, c'est cet élève. Et l'adjectif qualificatif est placé aussi après le GNS. Dans la troisième phrase, le groupe nominal sujet, c'est vacances. Et donc, l'adjectif qualificatif est placé avant le groupe nominal sujet. En général, lorsqu'un adjectif qualificatif est placé après le sujet, on dit que c'est un adjectif épithète. Exemple, une classe propre. Regardez où se positionne le groupe nominal sujet, une classe, et l'adjectif, il vient après. Maintenant, lorsque l'adjectif qualificatif est placé avant le sujet, on l'appelle adjectif attribut. Exemple, de bonnes vacances. Remarquez que le groupe nominal sujet est placé à la fin de la phrase et l'adjectif qualificatif, il vient avant. Donc, après, c'est épithète, avant, c'est attribut. Bien. Après cette révision sur les adjectifs qualificatifs, je vous propose de faire un premier exercice. Souligne dans les phrases les adjectifs qualificatifs. Cette équipe est prête pour la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit avant que l'adjectif qualificatif répond, ou pour trouver l'adjectif qualificatif, on répond à la question comment. Cette équipe est prête pour la compétition. Cette équipe est comment? Cette équipe est prête. Donc prête, c'est l'adjectif qualificatif. Cet entraîneur est musclé. Il est en bonne et parfaite santé. L'entraîneur est comment? L'entraîneur est musclé. Il est en bonne et parfaite santé. La santé est comment? La santé est bonne et la santé est parfaite. Ce sont aussi des adjectifs qualificatifs. Ahmad possède un chat doux et câlin. Le chat est comment? Il est doux et il est câlin. Les deux sont des adjectifs. On entend des aboiements furieux. C'est le grand chien noir des voisins. Les aboiements sont comment? Les aboiements sont furieux. Le chien est comment? Il est grand et noir. Donc, ce sont tous des adjectifs qualificatifs. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette leçon sur les comparatifs où, en général, on peut parler de la comparaison. Comparatifs sont utilisés pour faire une comparaison entre des concepts. Nous avons trois types de comparatifs.
Nous avons la supériorité. Par exemple, la Russie est plus vaste que la Chine. Ça veut dire plus grande que la Chine. Plus que exprime la supériorité. Nous avons l'égalité. Par exemple, il y a autant de places que de spectateurs dans ce théâtre. Ça veut dire que le nombre de places égale ou est égal au nombre de spectateurs. Spectateurs, ça prend S. Ce garçon est responsable comme un adulte. Salahdine est aussi gentil que son frère. Donc autant de que comme aussi que exprime l'égalité. Et nous avons l'infériorité. Par exemple, il y a moins de garçons que de filles dans la classe. Il y a moins de garçons que de filles dans la classe. Moins que exprime l'infériorité. Essayons de nous exercer sur les comparatifs dans cet exercice. Utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent. La tortue est lente que le lapin. Est-ce qu'elle est plus lente, moins lente ou aussi lente? La tortue est plus lente que le lapin. C'est une expression de supériorité. C'est un superlatif. Vous êtes rayonnante et rose. Là, nous comparons à égalité. Donc, vous êtes rayonnante comme des roses. Les notes de cet élève sont élevées que celles de ses camarades. Sont aussi élevées que celles de ses camarades. Les notes de cet élève sont aussi élevées, c'est l'égalité. L'éléphant est moins féroce que le lion, c'est l'infériorité. Bien, après cet exercice sur les comparatifs, revenons aux adjectifs qualificatifs avec l'exercice 3. Nous allons compléter l'adjectif ou part des adjectifs qualificatifs dans les phrases proposées. Nous avons bonne, glaciale, rose et jaune, responsable, joyeux, accroché, mauvais. Commençons par la première phrase. Cette année, le Maroc a connu un hiver glacial. Le soir, on sent une bonne odeur des fleurs roses et jaunes. Troisième phrase, les dessins accrochés au mur expriment des sentiments joyeux. Te sens-tu responsable de ce mauvais geste? Donc, ce sont tous des adjectifs qualificatifs. Je rappelle que l'adjectif qualifie un sujet ou un groupe nominal sujet. Dans l'exercice 4, propose d'écrire des phrases en utilisant les comparatifs proposés, aussi que, plus que, autant de, moins que et la meilleure. Je rappelle que la meilleure est aussi un superlatif. Bien, donc, je vais vous proposer quelques phrases et à vous d'écrire dans vos cahiers 5 phrases en utilisant ces comparatifs. Vous les prenez en photo et vous me les envoyez sur WhatsApp afin que je puisse les corriger. On commence par aussi que. Mon professeur d'arabe est aussi gentil que mon professeur de français. Puisque vous avez une professeure d'arabe, donc on va mettre gentil avec deux LE. Mon professeur d'arabe est aussi gentil que mon professeur de français. Il s'agit là de l'égalité. Sarah est plus âgée que Malek. Il s'agit de la supériorité. J'ai autant de cahiers
que de livres. C'est un rapport d'égalité. Mon quartier est moins pollué que le quartier voisin. Il s'agit d'une infériorité. Ma classe de sixième année est la meilleure et bien sûr, il s'agit d'une supériorité. Donc voici quelques exemples. Je vous propose d'en faire autant, d'écrire des phrases sur la base des comparatifs proposés et vous me les envoyez pour les corriger. C'est tout pour cette séance.